Inexorablement, l'on s'acheminerait vers le report des prochaines élections au Bénin. Et l'urgence de conjurer ce péril qui plane est proclamée par 6 organisations de la société civile actives dans la gouvernance. Une nécessité née de l'inquiétude suscitée par les nouvelles passes d'armes entretenues par le COSLEPI et le ministère des Finances au sujet du financement de la distribution des cartes d'électeurs. Selon le ministère, des réductions substantielles ont été apportées au projet de budget, le COSLEPI juge non fondées ces réductions et dénonce n'avoir pas toujours été impliqué. Ils ont passé la mi-journée du mercredi à écouter Komi Koutché et son cabinet, Saka Lafia et ses pairs, mais également la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokonadjo. Et à l'issue de ces audiences d'écoute, l'horizon électoral est toujours chargé de gros nuages d'incertitudes. Et les législatives sont menacées de décalage et les communales de report. Face au retard de la distribution des cartes d'électeurs, un retard en violation déjà de l'article 183 du Code électoral, la Sénat se demande si elle doit poursuivre les préparatifs ou simplement les arrêter jusqu'à la disponibilité des cartes d'électeurs. À la date du 8 avril 2015, seulement 3 millions environ de cartes d'électeurs sont en cours de plastification et la livraison du matériel. Pour plastifier, les 1 500 000 cartes restantes restent bloquées. Mais partant de l'exigence non négociable que les élections doivent se tenir impérativement aux dates retenues par la Cour constitutionnelle, ces organisations proposent des approches pour une sortie de crise. Nous en appelons au leadership du chef de l'État, chef du gouvernement, pour convoquer en urgence une séance de travail avec COSLEPI pour définir et libérer les ressources financières complémentaires nécessaires au paiement de tous les besoins urgents bloquant le processus de distribution des cartes. Mobilisés et engagés, Martin Assogba, Léontine Idou, Fatouma Batoko Zoussou, Julien Oussou et Antoinette Dadjo se proclament ainsi sentinelles de la démocratie pour la tenue des élections au Bénin.